Eric. Oh, Eric, réveille-toi. On arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Si. On est arrivé? Oui. Cette chaleur me donne un mal au crâne. Oula. Je crois qu'il est temps que tu te réveilles. C'est vrai que t'as pas l'air d'avoir la pêche. J'ai pris une mauvaise position en dormant, c'est tout. Il n'y a pas de honte à faire des cauchemars, tu sais. Dis-moi tes rêves et je te dirai qui tu es. Oh, lâche-moi un peu, tu veux, c'est vraiment pas le moment. Ouais, ça commence bien. Allez, dépêche-toi, le directeur du parc doit nous attendre. Personne. Pourtant, il m'avait bien dit qu'il viendrait me chercher. T'as pas oublié le décalage horaire? Je te signale qu'entre la France et le Portugal, il y a une heure de moins. La confiance règne. Ben, dis donc, on peut pas dire qu'on soit accueillis à bras ouverts. C'est vraiment d'une gaieté folle, ce bled. Sinistre. Sim, Manuel, eles estão aí? E o diretor do parque? Tudo como previsto, patrão. O Santos caiu na esparrela e vai demorar a chegar a Braga. Eles vão partir, o que é que eu faço agora? Tenta saber tudo acerca deles, especialmente para quem trabalha. Manuel! Não quero estrangeiros na minha casa. Qu'est-ce que t'as à gigoter comme ça? T'as un torticolis ou quoi? Si on veut. Dis-moi, c'est vrai ce qu'on raconte sur les loups? Quoi? Que les loups n'attaquent jamais l'homme. Ah, en théorie, oui. Mais si on est venu jusqu'ici, c'est justement pour vérifier si c'est vraiment un loup qui a tué le berger. Tu comprends? Sortir les bagages.
Il faisait nuit, c'était un soir comme tous les autres où le pauvre berger rentrait chez lui. Vous voyez le village de Lordello. On a retrouvé son corps près de la bergerie. Son cou était comme broyé et sur la gorge, la marque des crocs était très profonde. Mais un loup s'aventurant dans une zone habitée, c'est encore plus curieux. Et la population, qu'est-ce qu'elle pense de la fille? Difficile à savoir. Je connais encore mal la région et les gens du Nord sont très secrets. Je dois vous dire que je ne suis là que depuis 6 mois. Avant ma nomination au poste de directeur du parc, j'étais à Lisbonne, au ministère de l'Agriculture. Je ne vous cacherai pas que je sais fort peu de choses sur les loups. C'est pourquoi j'ai fait appel à Lope. Ce type d'accident est extrêmement rare, M. Santos. Vous savez que contrairement à sa légende, le loup n'attaque jamais l'homme. Pour une raison très simple, d'ailleurs. C'est qu'il en a peur. En tout cas, dans la région, personne ne se souvient quand seul le berger a été attaqué par un loup. C'est bien la première fois. Bien, je pense comme vous, cet accident est suspect. En fait, est-ce que quelqu'un d'autre que vous est au courant de notre arrivée ici? Non, pourquoi? Vous ne trouvez pas curieux de recevoir un coup de téléphone anonyme vous annonçant un feu de forêt bidon au moment même où vous vous apprêtez à venir nous chercher à la gare? C'est une coïncidence. Ben, souhaitons-le. Moi, j'irais bien faire un tour sur le territoire des loups. C'est possible ce soir? Oh non! J'ai des heures de voyage dans les pattes. On commencera l'enquête demain. Les loups, j'en ai 12. Bon, je vous ai installé dans une maison du parc. C'est un peu le vent d'ici, mais vous serez dans votre ambiance. Mais non, au contraire, c'est parfait. Charmant. Une heure pour faire le tour du propriétaire. C'est un loup qui s'amusait à tirer la chevillette. Il vient de boucher. Ça prend en rouge. Ouvrez-vous plus de chance que moi. Depuis que je suis à Pené de Jerez, je n'ai jamais réussi à voir un seul loup. Reposez, monsieur Dexter. Oui, oui. Bon, allons-y. Oh! On t'attend. J'ai déjà bouclé les volets, je préfère aussi fermer la porte. Personne n'aura l'idée de venir ici. Vous ne risquez rien. Je sais pas, hier j'ai eu l'impression que quelqu'un nous suivait. C'est vrai? C'était sûrement pour te demander l'adresse de ton tailleur. Allez. Regardez, c'est encore humide. C'est un mélange de glandes anales et d'excréments. Je suis désolé, hein. C'est comme ça qu'ils marquent leur territoire. Croyez-vous qu'ils sont dans les parages? Pas sûr. La nuit, ils reviennent sans doute, mais dans la journée, ils peuvent être jusqu'à 30 ou même 50 km. Ce que j'arrive pas très bien à comprendre, c'est que le berger semble avoir été attaqué par un animal seul. Et un individu, surtout dans la meute, ne risque jamais d'attaquer l'homme. Oh! Venez vite! Oh, c'est fantastique. Regarde là, sur la crête. Ah oui, superbe. On reconnaît très bien le chef de la meute. Tenez, monsieur Santos. Regardez vos loups, ils sont magnifiques.
Ça, alors, c'est bien la première fois. Eh ben, bravo. Vos innocents, les mains pleines. Le flair, vieux. Rien ne remplace le flair. Ouais. Moi, j'aimerais bien savoir à combien on estime le nombre de meutes dans la région. Allez, on va interroger l'ordinateur. C'est vrai qu'ils sont magnifiques. Vous les trouvez sympas, vous ? C'est un bel endroit pour un pique-nique. Allez, viens, c'est pas le moment. Commencez par les présentations. Mais je t'ai déjà vu, toi, t'étais à la guerre, ouais. Bah, réponds à mon frère, il t'a posé une question. Mais lâchez-moi ! Qu'est-ce qu'il y a ? T'es pas bien avec nous ? Je t'avais bien dit qu'on était suivis. Il nous a pas lâchés depuis notre arrivée. Allez, vas-y, comment tu t'appelles ? T'as le vertige, toi ? Non, et toi ? Et notre ami, il a peut-être le vertige, lui, hein ? Alors, qu'est-ce que tu nous veux ? J'ai une crampe, à trois, tu vas prendre un petit bain. Arrêtez ! Alors, on t'écoute. Un. Deux. Je sais qui a tué le berger. Voilà. Alors qui c'est? Ce ne sont pas les loups. Ah bon? Et qui ça? Le berger a été attaqué par un chien. Un chien, comment tu sais ça? Je vais tout vous dire. Mais lâchez-moi, j'étouffe. Alors quel chien? Raconte. Oh, oh. Qualquer modo, és tu que decides. Se não for legal, a responsabilidade é tua, Amadeu. Não há nada a recear.
Ao fim e ao cabo, a caça ao lobo é uma das nossas tradições regionais. Bom, até à vista. A Câmara Municipal votou por unanimidade à abertura da Caça ao Lobo, como o senhor queria com o de Vasco. Muito bem. Agora só falta recrutar alguns bons atiradores. Vamos ter problemas com o de Vasco. O Tribunal... Eu pagarei a toda a gente se for preciso, como sempre paguei. O que interessa é que a caça esteja oficialmente aberta. O resto não é consigo. O seu trabalho terminou. Aqui tem o seu prémio. Espero este dia há muito tempo. Ah, mais il remonte le moral, ce petit. Hein. Il était pas beau à voir. Hein. Il aurait voulu se suicider, s'il serait pas pris autrement. Écoute, si on a arrêté là l'oraison funèbre, on n'y pour rien dans sa mort. Alors, laissons les flics faire leur boulot. Comment il a pu savoir que c'était un chien? Ben, et nous, d'ailleurs. Quelle preuve on a? Tes loups sont hors de cause, tu devrais être content. Allez, bois un coup. Demain, destination Paris. Mission accomplie. Santé. Je t'ai jamais raconté, moi. Figure-toi que j'étais dans... Tu trouves pas que les flics ont un peu vite laissé tomber l'affaire, quand même? Dès qu'ils ont su qu'ils travaillaient pour ce type-là, comment il s'appelle? Vasco? Ouais. Bah, ils ont tout de suite écrasé, comme si la thèse de l'accident les arrangeait. Pas question de demander à ce Vasco pourquoi son employé nous filait depuis la gare. Et l'histoire du cambriolage de la maison, c'est pareil. C'est un fantasme de notre part. Non, moi je te dis qu'on cherche à se débarrasser de nous. Et crois-moi, la mort du berger, c'est pas l'effet du hasard. Faut plus nos oignons. Écoute plutôt moi, hein. Je marchais... On dirait que les gens ont peur. Tu comprends? Ils ont la trouille que deux étrangers mettent leur nez dans une affaire qui ne les regarde pas, voilà. Justement, laisse tomber. Évidemment, toi, tu penses qu'à rentrer. Simon. Simon. Qu'est-ce qu'il y a? À la fenêtre de la cuisine. Va voir, va voir. Oh, laisse-moi manger, écoute, t'es pas marrant. J'ai des projets pour toi. Psychanalyse. Si je commence à avoir des hallucinations, moi. Faudrait peut-être penser à arrêter le vin blanc. Hein. C'est notre dernier petit déjeuner. On est mis qu'à l'hôtel, non? Ce que j'apprécie surtout, c'est le service. On aura quand même de vous souvenir. C'est épouvantable. Il nous arrive une catastrophe. Et quoi encore? Les loups sont en danger de mort. Bon, expliquez-vous, Santos. C'est illégal. Mais la municipalité a donné son feu vert pour l'ouverture de la chasse aux loups. Il faut empêcher à tout prix ce massacre. Bon, écoutez, Santos, ferait quand même pour nous prendre pour les imbéciles. Si vous voulez notre aide, arrêtez de tourner autour du pot. D'abord, est-ce que vous êtes bien certain que c'est Vasco qui a fait pression sur le conseil municipal? Je n'en ai pas la preuve, mais je ne vois que lui. Et pourquoi? C'est une longue histoire. Qu'on aimerait bien connaître. Moi aussi. Voyez-vous, lorsque je suis arrivé ici, j'ai tout de suite compris que cet homme faisait la pluie, le beau temps dans la vallée. Il appartient à une des plus vieilles familles de la région. La plus riche aussi. Ce que je sais, c'est que Vasco était le maire de Jerez au moment de la création du parc national et qu'il s'est toujours opposé à ce projet. Pour des raisons de gros sous? Je n'ai jamais réussi à savoir. Personne ne veut parler de cette époque. Les gens ont peur à croire qu'ils protègent quelqu'un. Enfin, quel rapport avec les loups? On agent plein mystère. Exact. J'ai toujours eu le sentiment qu'il existait un secret à Pnée de Jerez. Mais lequel? Mais en attendant, les loups vont être pourchassés. Et ce n'est pas en fouillant le passé qu'on empêcherait Vasco de... Attendez, vous allez un peu vite, Santos. Vasco nous envoie son homme demain.
Nous découvrons que le berger a été attaqué par un chien et que sa mort sert de prétexte à l'ouverture de la chasse. Maintenant, nous apprenons que ce même Vasco s'est opposé à la création du parc national. Et pour couronner le tout, vous insinuez que la population de la vallée cache un secret. Enfin, conclusion. Conclusion, on assiste à un vieux règlement de compte dont les loups sont encore l'enjeu. Alors c'est à vous de choisir, Santos. On vous nous aider ou on vous laisse tomber. Ça, c'est du chantage. Et appelez ça comme vous voulez, nous on n'aime pas jouer une partie avec des dépipés. C'est à vous de choisir votre camp, Santos. C'est Vasco ou les loups. Bon, aller au village de Pinquins et demander à parler à Madame Oliver. Peut-être aurez-vous plus de veine que moi. Hey, monsieur! Oh, s'il vous plaît, Madame Oliveira. Madame, s'il vous plaît, juste un renseignement. Tu ne sors pas trop, toi. Bien, sinon ils vont sortir les fusils. Je sais que vous voulez me voir. Madame Oliveira? Entrez dans la cour, là. Je vous rejoins. J'aimerais connaître votre prénom. Eric, et voici mon frère Simon. C'est le directeur du parc qui nous envoie. Peu importe qui vous envoie. Peut-être ce destin après tout. Venez. Quel âge avez-vous, Eric? 32 ans. Mon fils Diogo aurait aujourd'hui votre âge. Votre fils? Oui, mon fils. Il est mort il y a 9 ans. C'est une belle région par ici, n'est-ce pas? Oui, c'est un peu grâce à Dieu. Le parc national, c'était son idée. Il s'est battu pour qu'il existe. Mais on ne lui a jamais pardonné. Ça et le reste. Oui, mais qui? Vasco? À vous, je vais vous parler, Eric. Je vous demande seulement de ne pas me poser des questions. Vous aimez les histoires d'amour? Soyez nous, on veut seulement connaître la vérité. Laquelle? Celle de Vasco? Non, la vôtre. Et celle de votre fils, Diogo. Diogo avait de la passion dans la vie. La nature et une jeune fille des environs qu'il voulait épouser. Elle s'appelait Marta. Et elle aimait passionnément mon fils. Ensemble, ils parcouraient la montagne et rêvaient de vivre au milieu de la nature, parmi les animaux. Ils étaient jeunes, beaux, purs. Tout ce que la nature leur offrait, la société des hommes leur refusait. Et pourquoi donc était-il interdit d'amour? Parce que nous étions pauvres et qu'elle était riche. Parce qu'ils voulaient vivre librement, sans contrainte. Un peu comme des loups. D'ailleurs, le soir, ils avaient coutume de se retrouver près d'ici, devant le puits d'un piège à loups de l'ancien temps. C'était leur rendez-vous d'amoureux.
s'était passé ce soir-là. Au petit matin, des bergers retrouvèrent mon fils au fond du puits, mortellement blessé à la tête. Il n'y eut même pas d'enquête. Et Martha, qu'est-il devenu? Posez donc cette question à son père. C'est-à-dire à Vasco? J'ai affaire maintenant. Eh bien, on va lui poser la question. Alors, qu'est-ce que tu fous? Je viens. C'est bizarre, toi? Non, sans doute la bonne raison. Je cherche pas à comprendre. Un mystère de plus. Klaxon, écoute, fais quelque chose, tu vas pas te laisser bouffer. Hercules, aquí. Messieurs Dexter, je suppose. Vous êtes les bienvenus. Vous nous connaissez? Oui, et je vous attendais. Prenez-vous la peine d'entrer. Hercules. Belle bête et obéissante. Bien dressée. Ces terres ont appartenu à ma famille. Oui. Mais personne ne vous a exproprié. Faites tout comme. Asseyez-vous. Depuis la création du parc national, je ne me sens plus vraiment chez moi. Nous avons fait la connaissance d'un certain Manuel, monsieur Vasco. C'est un de vos employés, je crois. Pauvre garçon. C'est terrible ce qui a été arrivé. Il a peut-être été un peu imprudent. Je comptais m'en séparer. Il n'en faisait qu'à sa tête. Criait son âme. Comment trouvez-vous ce porto, monsieur Dexter? Très bon, pas très bon. C'est bien chez vous, monsieur Vasco. Vous parlez de Manuel? Un brave garçon, très serviable, n'est-ce pas, Simon? Absolument. Manuel nous a longuement parlé avant de mourir, monsieur Vasco. Il vous était très fidèle et très obéissant aussi. Dommage pour vous qu'il ne fût pas muet. Je ne vous comprends pas. Votre homme de main, monsieur Vasco, a lâché le morceau. C'est un de vos chiens qui a tué le berger, sur votre ordre. Je vous interdis. Et ce n'est pas tout, monsieur Vasco. Manuel nous suivait depuis notre arrivée, toujours sur votre ordre. Et vous, vous avez épié nos faits et gestes depuis votre terrasse. Grâce à cette superbe longue vue. Enfin, vous avez fait pression sur la municipalité pour déclencher une chasse au loup. Vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez, monsieur. Manuel nous a fait ses confidences par écrit, monsieur Vasco. Et je suis sûr que la police sera ravie de les lire. Vous ne m'impressionnez pas, monsieur. Vous n'aimez pas les loups, à ce qu'il parle. Vous avez fait des misères dans le passé? Oui, parce que
Manuel nous a aussi parlé du passé, monsieur Vasco. Je vous demande de partir, messieurs. Vous n'aimez pas qu'on vous parle du passé, monsieur Vasco. Partez ! Pas avant de savoir pourquoi vous vous acharnez contre les loups de la région. Et pas avant de savoir ce qu'est devenue votre fille après la mort de Diogo. Foutez le camp ! Nous voudrions seulement parler à votre fille Martha. Ma fille vit au Brésil depuis près de 10 ans. Mais pourquoi cette haine absurde contre les loups ? Pour vous venger du départ de votre fille, c'est ça ? Répondez. Elle couche ! Pas mal ton coup de bluff, hein? T'as failli me voir, salaud. Ah, tu sais, c'était le seul moyen. Ah, oui. Vous me recevez? Oui, Santos, on vous reçoit, allez-y. Les loups ont quitté leur territoire et s'approchent du village Fafiao. Là-haut, c'est la panique. Fafiao, d'accord, on y va. Ah, tiens, guide-moi. Mais Fafiao, c'est pas là où se trouve l'ancien piège à loups dont parlait Madame Oliveira? Oui, oui, je crois bien. Raison de plus pour aller voir. C'est un signe de danger, ça. Ils doivent protéger l'un des leurs qui est tombé dans le piège. Tu viens rechercher du renfort? Non, surtout pas. On avance lentement et calmement. Ça va pas, non? Mais viens, je te dis que le loup n'attaque pas l'homme. On dit ça. C'est le moment de vérifier. T'es complètement dingue. N'ayez pas peur, je suis un ami. Venez. Venez. La garce. Alors, qu'est-ce que je t'ai dit? Les loups n'attaquent pas l'homme. Mais les femmes, si. Raconte un peu ce qui s'est passé. C'est historique, mon pote. Historique. On compte à peine une dizaine de cas semblables. Je m'en compte surtout de cette garce pas mordue. Mais dis donc, peut-être la rage. Oh, rigole. Elle vit comme ça avec les loups, à courir la montagne avec eux. Elle est devenue sauvage. Belle sauvage. J'ai déjà entendu parler d'enfants loups, mais d'adultes jamais. Et encore moins d'une femme. Quoi, tu crois vraiment que c'est possible? Bah, la preuve. Tu sais,
La meute vit selon un schéma familial qui repose sur l'affect. Oh, tu me gonfles avec ton charabia, mais dis l'amour, comme tout le monde. Eh ben l'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est la base de la société des loups. Est-ce que tu sais seulement que le mâle vit fidèle tout au long de sa vie à la même louve? Non. Non. D'ailleurs, à mon avis, c'est ce qui explique la vieille rivalité entre les hommes et les loups. On est jaloux des loups. Parce que leur vie représente ce qu'on n'arrive pas à vivre. L'amour partagé. L'amour fou, quoi. Tu vois, je suis sûr que cette fille a dû trouver dans la meute l'amour qu'elle n'arrivait plus à trouver chez les hommes. C'est beau, c'est ça. Alors, tu crois vraiment qu'elle est heureuse? Qu'est-ce que le bonheur? Qui sommes-nous? Où allons-nous? Non. Mordu par une femme. Je me souviendrai longtemps de cette mission. Attendez, depuis quand elle vit avec les loups? À longtemps. Ah oui? Ah oui, parce que le processus de l'adoption, c'est long, chez les loups. Mmh. Surtout quand il s'agit d'un adulte. Non, moi, ce qui m'intrigue, c'est plutôt de savoir pourquoi. Pourquoi quoi? Pourquoi elle est allée se réfugier chez les loups? Déçue par les hommes. Normal, vous ne connaissez pas. Un sacré bel plan, en tout cas. Qu'est-ce que t'as dit, hein? Sacré belle fille, en tout cas. Non, non. Avant. Tu as dit déçu par les hommes. Mmh. Bah, t'es génial. Ah bon? Réfléchis. Une jeune fille, abandonnée, sans amour, se réfugie dans la montagne. Secret de la vallée, ça te dit rien? Mais oui. Seul un grand chagrin d'amour peut provoquer un tel refus des hommes. Par exemple, la mort de l'homme qu'on aime. Diogo. Martin. Martin. Mais tout s'explique alors. Tu comprends maintenant la haine de Vasco pour les loups? Ils lui ont pris sa fille. Grâce à l'amour des loups, Martha est restée fidèle à Diogo. Oh. Quelle belle histoire d'amour. Sublime, tu veux dire. Mais alors, elle est en danger. La chasse, t'as oublié. Ça, faut faire quelque chose. On peut pas rester comme ça, le cul sur notre chaise. Oh, non, mais non. Oh. Ce soir, on est en état. Oh, c'est vrai que je me sens un peu faible. Tu pars. Dis plutôt qu'on les meurt. Ah, bien sûr. Oui. Pas bien que je suis amoureux. Ah, bah, pas que je... Elle est belle. T'es mordu. Ils sont partis à l'eau. Ah oui? Pendant que vous faites la foire, Vasco a recruté des chasseurs, ils sont déjà dans la montagne. Qu'est-ce qu'on attend? Il faut absolument arriver avant eux. Attendez, moi j'arrive. Vous savez monter à cheval? Oui, bien sûr. On va prendre des chevaux au village. Eric, passe par la forêt, on aura plus de chance de les retrouver. D'accord, j'y vais. Sem conta que apontar melhor e for mais rápido. Pare! Não avance mais, senhor Conde Vasco. O senhor está no Parque Nacional e aqui é proibido caçar. Meus senhores, voltem para vossas casas. Aqui é a minha casa. A
casa foi autorizada. Vamos, avancem. Attendez. Attendez, on vous manipule. Ne vous laissez pas entraîner. Sans l'étranger. Cette histoire n'est pas la vôtre. Les loups ne sont pour lui qu'un prétexte. C'est sa fille qu'il veut, Martha. Vous comprenez? Demandez-lui ce qu'elle est devenue à la mort de Diogo. Vous vous souvenez de Diogo? Croyez-moi, restez en dehors de ce règlement de compte et rentrez chez vous avant qu'il ne soit trop tard. Diogo. Il se sert de vous pour se venger! Não entra só o que eu disse. Avancem. É uma ordem. Eu não quero ser disso. Eu também não. Desculpe, Conrado. Já chega. Que s'est-il passé le jour de la mort de Diogo? Je crois savoir ce qui est arrivé. Ce jour-là, pas du piège. Vous n'étiez pas seul, Diogo et vous. Votre père vous a menacé si vous parliez. Alors vous avez préféré partir. Et depuis ce jour, vous vivez parmi les loups. Martha! Martha!
Marta! 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 Trac là.